Togo Info, le Togo à votre portée. C'est un regret pour le sort de monsieur, de ce qui est arrivé à monsieur Adoui le 9 septembre dernier. C'est un regret. C'est un regret en ce sens que c'est pour sa compétence, il n'y a presque rien à dire. C'est un monsieur compétent, assez ouvert, qui maîtrise sa matière. Mais Adoui a été limogé sur l'autel de ses choix. Quand je parle de ses choix, la famille politique à laquelle il a choisi d'appartenir. Et quand au Togo, la famille politique est un système, un ensemble de mentalités, de manières de faire, et qui n'a rien à foutre des règles, des valeurs. Et donc, bon, il a été mangé par son propre système. Adoui a été celui-là qui s'est toujours affiché dans la défiance, la désinvolture. On se souvient comment il a traité nos confrères d'Alternative. Adoui est allé jusqu'aux menaces de mort sur les confrères, que dans d'autres pays on pourrait les éliminer comme ça, etc. Et c'est un monsieur qui a également l'appétit de la condescendance. Et peut-être parce qu'il sait qu'il s'adosse sur un système qui ne respecte rien et qui autorise presque tout. Bon, le système autorise presque tout. Voilà que le système n'a pas autorisé la bamboula qu'il a organisée. Mais ça, comme on le dit souvent, comme nous l'avons appris sur les bancs, ce n'est que la cause immédiate. Les causes lointaines sont également là, qui ont concouru à ce qu'il soit mis sur la touche. C'est regrettable pour lui, mais bon, pour nous autres qui défendons les Togolais de la base, la plèbe, on se dit, ben, c'est la chance peut-être pour quelqu'un d'autre, en attendant qu'on trouve quelqu'un pour seconder son intérimaire. Mais c'est une chance également pour son intérimaire de montrer ce qu'il peut. Et pour c'est la chance pour d'autres jeunes de se révéler. Le reste, ça fait partie des faits divers pour nous. Hein.